Eh bien, Claudia Gollet, André Divine, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de l'EPG, École parisienne de Gestalt, pour évoquer notamment les processus corporels en Gestalt, et pas que, puisque nous allons aussi parler des différentes formules de formation certifiante en cycle 3. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander comment vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous connaissez-vous, et comment en êtes-vous arrivé à co-animer des stages ensemble? Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est rencontrés, mais en y réfléchissant, je retrouve encore les images. En fait, c'est un stage de formation que nous avons fait sur le sensitif Gestalt Massage. C'était une formation de formateurs qui était animée par Margaret Elke, la créatrice de cette méthode-là. Et je me rappelle de l'impact que Claudia a fait sur moi. J'ai vu quelqu'un qui était très engagé et d'une présence, d'une forte présence. Et je me suis dit, ça c'est impressionnant parce que je goûte quelque chose qui me touche profondément. Et effectivement, quelques temps après, on a décidé ensemble de créer un groupe de recherche avec deux autres personnes. Et nous avons commencé à discuter quel était l'impact du toucher sur la gestalt-thérapie. Et ce groupe de recherche, il s'est tenu, je crois, un an ou deux. Et c'était déjà le démarrage de notre collaboration. Et sur les quatre personnes, on a choisi assez rapidement, en fait, de co-animer ensemble et de démarrer ce parcours. Et en fait, ça fait maintenant 30 ans. Et si tu devais présenter Claudia, que dirais-tu sur elle? En dehors du fait qu'elle t'ait marqué la première rencontre. Je dirais qu'il y a certaines qualités de Claudia qui sont très présentes. D'abord, il y a une puissance qui se dégage d'elle. Il y a une détermination et il y a cet engagement profond dans le chemin qu'elle fait. Et alors je regarde un petit peu, ça va aussi avec une autre partie qui est très intéressante, c'est que pendant tout ce chemin qu'on a fait ensemble, il y a force et flexibilité. C'est-à-dire qu'on a toujours été confronté à une possibilité de se remettre en question. Et pour moi, c'était vital dans notre chemin qu'on puisse discuter, se confronter, mais aussi regarder mais quels étaient les points de vue et où est-ce qu'on allait ouvrir. Et cette force et cette flexibilité, c'est ça, je pense, une pierre de fond pour moi dans notre cheminement et dans notre recherche de travail ensemble. Claudia, est-ce que tu verrais quelque chose qui manquerait à cette présentation qu'André vient de faire de toi? Oui, tous mes défauts. Mais ça fait déjà pas mal de choses sont dites par André. Moi, l'impact d'André sur moi était tel que je ne me souviens même pas des autres personnes qui étaient dans ce stage. Figure-toi, je me souviens uniquement d'André. Pas de dire que l'impact était fort. Et c'est vrai que c'est le démarrage d'une longue collaboration. Et j'avais envie tout de suite de rebondir sur ce que dit André. C'est vrai que c'est quand même une chance incroyable d'avoir un co-animateur avec qui on peut s'engueuler de façon constructive. Mmh. Et pendant ces 30 ans, on a eu beaucoup de désaccords, d'ajustements à faire. On se chicanait des fois parce qu'on ne voyait pas les choses de la même manière ou la place. Et à chaque fois, on a beaucoup travaillé pour traverser ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a même plus besoin de se parler. Quand on travaille ensemble, voilà, c'est un geste, une expression. Et je sais quand André est inspiré, qu'il y va. C'est vraiment une belle collaboration. Voilà, mais vraiment construite depuis 30 ans. Voilà, je crois qu'il faut qu'on réécrive un article sur la co-animation, parce qu'on aurait beaucoup à dire, je crois. Opposition féconde et saine confrontation. Et en fait, il y a à souligner tous ces temps aussi un peu magiques de nos superviseurs.
Parce qu'on a, été pendant toute cette période accompagné par des superviseurs comme Marie Boutroll. Je me rappelle d'un, stage qu'on a fait ensemble sur les couples avec Zinker. Et je vois encore l'image quand on travaillait ensemble, parce qu'on travaillait sur notre couple thérapeutique. Comment il nous a aidé à prendre conscience de cet engagement. On était tous les deux face à face engagés comme ça. Et on a appris à danser avec lui, c'est-à-dire que quand un prenait le pas, l'autre se retirait. Mais il ne s'effaçait pas, il se retirait. Et puis on a appris vraiment ensemble à faire ce mouvement-là. Et ça a été en fait une continuité ensuite dans le chemin de cette collaboration. Est-ce que c'est parce qu'il se passe aussi dans la relation thérapeutique, dans l'alliance thérapeutique, cette espèce de danse entre le thérapeute et le patient ? Est-ce que ça peut se passer comme ça aussi ? Oui, ça va se passer comme ça à un moment, sauf qu'évidemment, il y a quand même plus de travail à mettre en place pour que le client danse avec nous, parfois. Là, tout le chemin personnel qu'on avait fait, tout le travail sur nous que nous avons fait, nous a permis de danser quand même assez facilement et de façon fluide ensemble. Voilà. Mais ça nécessite quand même du travail. Voilà. Et je dirais que notre point commun, c'était bien la rencontre de la dimension corporelle. Et je pense que quand on ouvre sur la dimension corporelle, on va contacter cette fluidité, ou parfois même avec le client, cette fluidité interrompue. Et c'est ça qui nous guide pour qu'on puisse le rencontrer à cet endroit-là, et dans la perception des sensations et l'accompagnement des émergences des processus, c'est un peu comme une danse qu'on va pouvoir faire à deux, parce que parfois Claudia est plus en avant, moi je suis plus en arrière, on est plus engagé corporellement. Et c'est quelque chose qui se tisse, mais pas parce qu'on a un objectif, ça se tisse parce que le client se dévoile dans ce contact et ce processus corporel. Je crois que dans notre rencontre, d'ailleurs, c'est un point important parce que nous avions déjà tous les deux un grand intérêt pour les processus corporels. Je veux dire, André, il a tout un parcours de travail sur lui dans cette dimension-là, et j'avais le mien. Et donc ça fait que nous avons à la fois comme une vision commune que nous avons progressivement construite, mais aussi des rapports différents à la dimension corporelle. Je crois qu'on ne travaille pas complètement de la même façon, on a des centres d'intérêt aussi qui sont différents, des manières de voir les choses différentes. Et ça continue à être une richesse pour nous, parce que si on était trop semblables, je pense qu'on y perdrait en force, en puissance. Et moi, tu demandais à André ce qu'il pouvait dire de moi, mais ce que je peux dire d'André, c'est qu'il a une incarnation extrêmement forte, solide, et donc pour moi, c'est un roc. Et ça m'a toujours mis dans une sécurité totale pour travailler avec lui. Et quand il s'engage corporellement avec les clients, je veux dire, c'est un bonheur, parce qu'il a une... plus qu'une force, une intégrité dans ce qu'il fait, je pense qu'il donne confiance aux clients et donc à moi aussi, ça c'est vraiment un bonheur pour travailler. Je pense qu'André a aussi une dimension spirituelle que j'ai moins, il fait beaucoup une grande recherche dans ce registre-là. Et moi ça me porte, ça m'éclaire, il me donne à réfléchir sur cette dimension. Et donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Les processus corporels sont ce qui colore votre être thérapeute, est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ? Et tu donnais tout à l'heure des différences, Claudia. Et quelles seraient vos petites différences avec, tu citais la spiritualité, est-ce qu'il y aurait autre chose ? Oui, par exemple, je pourrais nommer quelque chose pour Claudia. Elle a une appétence particulière pour la lecture, mais pas n'importe laquelle. Des auteurs qui sont, je dirais... complexe à rencontrer. Et cette appétence lui donne une finesse et une précision d'intervention qui est assez extraordinaire. J'adore cette justesse, ces apports qui viennent d'horizons différents, avec des regards qui ne sont absolument pas communs. Et donc c'est toujours quelque chose qui se crée de nouveau avec la personne que l'on accompagne, avec cette personne-là, avec ce client-là. Je crois que ça, c'est une richesse que je lui laisse volontiers. Je goûte à chaque fois ce mouvement, cette délicatesse d'approche.
Et moi, ce que je lui laisse volontiers, c'est le goût qu'il a pour les exercices corporels. Parce que ça a semblé bizarre, mais moi, j'aime pas ça. Non, j'aime vraiment pas ça. Et alors, toute la mise en corps avec les clients, tu sais, les exercices qu'on fait pour s'échauffer, pour se mettre dans le travail. Alors, moi, j'aime pas. Et lui, il adore. André, il adore ça. Et il a une palette, une richesse d'exercices à proposer pour comprendre, intérioriser, intégrer cette dimension du travail. Alors moi, là, c'est un bonheur, je le regarde faire, je regarde les stagiaires en profiter, et moi, pendant ce temps, je ne fais rien. Bon, au-delà de la complémentarité, là, il y a une magnifique complétude. Alors, en tant que formateur, vous intervenez notamment en cycle 3, je dis notamment parce que on va s'axer sur le cycle 3 à l'EPG, donc un troisième cycle de formation certifiante qui procure les enseignements et approfondissements pour légitimer la pratique professionnelle de la gestalt-thérapie et qui mène aussi au certificat européen de psychothérapie. Il y a plusieurs formules pour ce cycle. Alors une formule dite à la carte, la FOC, la FAP-ART, formation avancée en psychothérapie orientée, processus de création et corps, et FAPROC, orientée relation d'objet et corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces trois formules? Puis d'abord, pourquoi trois? Pourquoi trois? Ça, je ne saurais pas répondre. Il y a eu quatre à un moment, maintenant c'est trois. Je pense que ça répond aux besoins déjà du remplissage de stage. Mais en tout cas, ces trois formules existent depuis, je ne sais plus à combien d'années, mais ça fait déjà au moins la 8e ou 9e FAPA. Ah, oui, hein, oui. Ça fait oui. 16 ans, 16-18 ans, je ne sais plus. Et donc, en tout cas, ces trois formules ont une base commune parce qu'elles sont toutes en troisième cycle consacrées à l'apprentissage du métier de thérapeute. Hein, donc je pense que entre les trois FOC et FAP, on va trouver l'enseignement de la posture du thérapeute, qu'est-ce que ça représente de s'engager dans une relation durable avec un client. On a les basiques de l'awareness, on a un certain nombre de, je ne vais pas tous les citer, mais un certain nombre d'enseignements communs. Et puis je crois qu'après on a des différences surtout de couleurs, de points d'attention. La dimension commune entre la FAPROC et la FAPAR, c'est le corps. Parce que André travaille en FAPROC et moi en FAPAR. Et comme nous sommes tous les deux passionnés par ça, évidemment cette dimension corporelle est enseignée hein, dans les deux. Dans la FOC, elle est aussi présente, mais elle est plus présente sous forme de stage, séparés les uns des autres. C'est pas une formule. Trois modules de trois jours, je crois. Trois jours, possiblement choisis par les stagiaires, qui ne choisissent pas toujours les trois modules. Alors peut-être je te laisse parler un petit peu de la FAPROC, et puis on dirait quelque chose de la FAPA. Donc la FAPROC, effectivement, pourquoi cette relation d'objet et corps? Quelle est cette particularité? En fait, c'est une FAP qui s'appuie aussi sur les apports de Gilles Delisle sur sa thèse de doctorat, qui décrit un peu comment les processus de contactés qui ont été blessés pour les personnes vont s'inscrire à l'intérieur de nous, vont prendre forme et vont rester vivantes. Et donc la compréhension de ces processus-là va nous aider beaucoup à, quand on intervient avec quelqu'un, à laisser émerger dans la relation quelque chose qui arrive, par exemple de la souffrance à la frontière contact, et ça va nous permettre, nous en face, de contenir pour accueillir vraiment cette profondeur qui est là. Alors, ça donne en même temps une certaine connaissance, mais cette connaissance n'est pas un savoir. Cette connaissance est une compréhension des processus profonds pour aiguiser l'attention du thérapeute, pour que cette compréhension lui permette de s'ouvrir pour accueillir à l'intérieur de lui ce processus qui est un processus d'interaction dans le champ. Donc il y a cette partie un peu plus fonctionnelle qui peut servir à certaines personnes, à certains stagiaires qui ont d'abord besoin de comprendre ce qui se passe. Ensuite, avec la compréhension, ils vont faire l'expérience.
Et c'est ça qu'on va travailler aussi donc dans la FAPROC, avec une dimension corporelle que Gilles Delisle avait également, mais qui est beaucoup plus poussée avec les apports de Hervé Lafranc, parce que les mouvements fondamentaux sont toujours présents, sont repérables corporellement, sont repérables dans la dynamique. Et on a ces mots-là qui sont les gestalt inachevés sont portés corporellement. Et là, on ouvre quelque chose de très particulier, parce que ça veut dire que ce n'est pas avec l'intellect ou avec les mots qu'on va rencontrer les processus. C'est en restant dans l'instant présent, dans le déroulement du cycle et dans la perception de ce qui est en train d'émerger. Et là, on rencontre quelque chose qu'on pourrait presque nommer une sorte de sagesse du client qui, quelque part, sait fondamentalement le mouvement qui va émerger d'instant en instant. Et on va venir accompagner ce processus de dépli, ou parfois j'utilise ce mot un peu curieux, de floraison, de ces principes de fond qui vont arriver à la frontière contact et qu'on va pouvoir appréhender suffisamment clairement pour les accompagner. Alors, comme Claudia le nommait aussi, j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est travail au niveau de la conscience. Donc le travail physique, corporel, que Claudia nomme échauffement, j'échauffe la conscience aussi. C'est-à-dire, j'invite à avoir un regard particulier sur cette dimension corporelle pour que ça puisse être incorporé dans la posture gestaltiste. L'attention que je vais porter au monde, l'attention que je vais porter en moi en tant que thérapeute va me permettre de travailler ces zones de résonance où le chemin va pouvoir se dire à deux, se co-créer à deux. Je crois que là, c'est un peu les particularités de cette vision-là. Le siège de la conscience qui mène à la connaissance et le connaître, le naître avec l'autre, dans ce que tu décris. Avec l'autre. Ouais. C'est pouvoir faire cette expérience en tant que thérapeute, pour qu'après on puisse appuyer et soutenir le processus chez le client, qui généralement vient avec moins de travail sur lui, et plus de, on va dire, de douleur. Comme le disait Francesetti, la psychopathologie, c'est la douleur qui se manifeste à la frontière contact. Et c'est intéressant de le regarder comme ça, parce que c'est une émergence, quand elle est accompagnée, un processus qui se met en route, et qu'on va conduire. Alors les FAP, ce sont ce qu'on appelle des formules structurées. Hein, donc ces deux FAP, elles se déroulent sur 16 jours. Et ce qu'il y a aussi en commun, c'est qu'il va y avoir bien sûr de l'apport théorique sur le métier, mais il va y avoir des temps de practicum, de conduite de séances thérapeutiques, de la supervision. Hein, et ça dans les deux FAP. Ce qui va caractériser la FAPAR, c'est qu'on va, pendant ces 16 jours, conduire aussi un atelier dans lequel les stagiaires vont se servir du processus de création artistique pour intégrer quelque chose de la posture du gestaltiste. Et ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est Xavier Bonnet-Aymard qui a été à l'origine de la FAPAR. Et je le remercie encore, associé à cette grande aventure. Et donc, dans ces ateliers qui durent 2 heures par jour, les stagiaires sont confrontés à la feuille blanche, avec leur peinture, au bois qu'il faut sculpter, à la chanson qu'il faut écrire, enfin qu'ils ont envie d'écrire. Et donc, nous allons nous servir de ce processus de création, de cet aller-retour entre la feuille, la peinture et moi, hein, qui pour illustrer certains concepts de la gestalt qui nous semblent importants, comme nous ne cherchons pas à atteindre un objectif, nous ne créons pas un produit fini à l'avance. Nous sommes vraiment dans l'écoute de ce qui se crée, et je suis autant créée par la peinture et la feuille que je ne crée le dessin qui émerge. Et donc, tous ces 2 heures d'atelier vont être repris tous les jours par les formateurs et les stagiaires
pour regarder comment inclure les prises de conscience, justement, qui sont faites pendant les ateliers, dans les ateliers thérapeutiques de l'après-midi, où nous allons essayer là, de traiter le client comme notre couleur et notre voix à sculpter, c'est-à-dire vraiment dans un étonnement, dans un émerveillement de voir ce qui apparaît, hein, que je n'avais pas décidé, et qui tout d'un coup va faire de moi un artiste. Hein, et je pense que la dimension artistique dans notre posture, elle est très présente, à tel point que Serge Inzer avait nommé ça, hein, l'art du contact. Et donc cette particularité fait que nous accueillons plutôt des stagiaires qui sont soit déjà sensibles à ça, s'ils ont déjà des activités artistiques par ailleurs, ils s'expriment, hein, de cette manière-là, et donc ça résonne pour eux, soit au contraire des stagiaires qui se pensent complètement dépourvus de créativité. Et à ce moment-là, c'est vraiment pour eux l'occasion de regarder comment ils peuvent à tout moment... voilà, être animé, hein, par cette capacité à créer et à s'émerveiller, hein, de ce qu'ils sont capables de faire avec l'environnement. Pardon. Est-ce que ces stagiaires futurs gestalt-thérapeutes sont susceptibles d'amener ces pratiques-là également avec leurs propres patients ? Oui, s'ils le souhaitent, mais ça n'est pas vraiment l'objectif de nous ne sommes pas dans de l'art-thérapie, hein, donc la FAPAR n'a pas comme... objectif d'apprendre des techniques que je peux ramener en cabinet. C'est vraiment le processus de création qui nous intéresse, et c'est plutôt que vraiment ça, c'est en face du client, comment je me laisse émerveiller par ce qui émerge. En fait, je vais reprendre certains termes que André a utilisés, hein, c'est cette émergence du mot, de la pensée, de l'image qui me vient, de l'action, en fait de cette nouveauté dont je suis créateur, mais qui m'étonne moi-même, parce que ça me dépasse, parce qu'on le fait ensemble. Et donc, c'est plus ça que nous cherchons. D'accord. Donc, dans le cadre de la FOC, vous co-animez donc ce stage dont on a parlé, ces trois modules de trois jours, autour des dynamiques corporelles. Et le premier module s'intitule « Le corps, fond de l'expérience ». Qui offre d'interroger la façon dont la dimension corporelle de l'être peut être mise au travail par le gestalt-thérapeute. Qu'est-ce que notre corps peut nous dire de notre état psychique ? Alors déjà, là, je pense qu'on va dire des choses un petit peu différentes, André et moi. Parce que moi, je ne réfléchis pas beaucoup sur le fond psychique ou le psychisme en règle générale. Je ne cherche pas non plus à savoir ce que le corps me dit de ça. Je suis moi très attachée au fait que, à la dimension corporelle de l'être au monde, c'est-à-dire que je suis le corps, hein, comme nous ont dit nos auteurs dans les basiques de la Gestalt. Et donc, c'est pas ce que ça me dit de l'intérieur qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça cherche à communiquer à moi dans le contacté. Et donc, je ne réfléchis pas en termes de psychisme, tu vois. Mais c'est toujours le fond de l'expérience, parce qu'à peine sur Terre, pour contacter le monde et être contacté par lui, il a fallu du corps. Et c'est même par cette dimension-là que je me suis construite. Hein, je me suis construite une personnalité, une idée sur le monde et sur moi-même. Et donc c'est dans le corps, et on voit quand on observe les enfants, c'est juste faramineux de regarder comment ils réceptionnent le monde incorporellement et comment ils émettent tout de suite, hein, de quoi diriger le monde. Hein. Déjà quand on est parent, on sait comment ils dirigent le monde. Et donc cette dimension-là, c'est le fond sur lequel vont se construire les représentations, les idées à propos. Mais c'est déjà le contact à l'état pur, hein, la dimension corporelle. Et c'est plus comme ça que je le réfléchis. Donc, ma vision est quand même assez proche de celle de Claudia. Et heureusement, parce qu'on co-anime quand même. On parlait de complétude, mais voilà. Il y a peut-être une petite nuance. Mais je dirais que moi, je suis attentif au processus de l'énergie qui se déploie dans le corps. Donc, c'est pas révélateur de ce que dit la psyché, c'est révélateur de comment l'ajustement créateur s'est débrouillé
avec ce qu'il a rencontré dans le monde. Et ce mouvement est visible et perceptible dans l'interaction avec le client. Donc je vais plutôt accompagner, chercher, voir là où ça s'interrompt, par exemple dans son corps, là où il y a un figement, là où il y a quelque chose qui se bloque ou qui se dit autrement. Et parfois on a des situations qui sont... Le client va parler d'une chose relativement anodine et le corps va exprimer d'une façon très particulière un mouvement énergétique qui peut même vouloir presque dire autre chose. Donc moi, je vais être sensible à ce mouvement, à cette expression du corps et je vais amener progressivement le client à porter son attention non pas sur qu'est-ce que ça dit, mais comment ça se déroule. Et là, je l'invite à se retrouver lui-même. Parce que pour moi, même si on souffre, même si on est, si le corps se bloque, c'est un ajustement qui a été créateur. Et c'est comment rencontrer cette énergie de vie qui a pris un chemin particulier pour pouvoir le déplier, le rencontrer, en prendre conscience, en fait faire le chemin avec lui. Je crois que ce qui nous passionne aussi, c'est la dimension holistique hein, de la Gestalt. Et donc, c'est pas parce que nous sommes particulièrement intéressés par cette dimension corporelle de l'être au monde que André et moi, on met le corps au centre de tout. Vous voyez, c'est parce que là, ça, on serait vraiment dans un paradoxe terrible. Donc, c'est plutôt comment redonner sa place à cette dimension de l'être, hein, à ce ça qui s'exprime. Mais on essaye toujours de ne pas cliver. Hein. Et donc, je pense que c'est ça qui nous importe, hein. c'est inclure la dimension corporelle, ne pas l'oublier, hein, ne pas la laisser de côté, mais pas en faire le centre de notre pratique. Hein. Heureusement, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, hein, le contact. Mmh. Vous parliez de cycles qui étaient susceptibles de s'interrompre. Est-ce que c'est ce qu'on appelle des gestalts inachevés? Donc comment est-ce que la compréhension des processus corporels permet de comprendre justement les causes de certains des blocages et des souffrances? Alors, je vais le regarder du côté relation d'objet. En fait, quand l'organisme rencontre dans l'environnement des choses qui lui sont complètement nécessaires à la survie, c'est assez facile quand il rencontre ça, il suffit qu'il puisse s'en approcher, le prendre et l'intérioriser. Mais dans certaines de ces rencontres, ce n'est pas aussi facile. C'est-à-dire qu'il va rencontrer quelque chose qui est indispensable et en même temps quelque chose qui cohabite avec cet indispensable et qui est intolérable. S'il était en contact complètement avec cet intolérable, sa cohésion psychique en serait atteinte. Donc il va se débrouiller pour prendre ce qui est nécessaire à la vie sans mettre son intégrité psychique en péril. Et ça donne une intériorisation. C'est-à-dire que cette combinaison complexe va continuer à vivre à l'intérieur de nous, en dehors du champ de conscience. Et ces gestalt inachevés, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. C'est quelque chose qui se passe depuis 30 ans. Ça veut dire aussi que mettre quelque chose de côté de nous-mêmes, c'est nous empêcher de contacter librement le monde. Et donc ces empêchements de contacter le monde vont aussi se retrouver dans le processus de contact et dans le cycle du contact. Donc on va voir ces interruptions qui vont pointer aussi sur quelque chose d'une douleur de fond qui a besoin d'être rencontrée. Quand l'organisme rencontre dans l'environnement quelque chose qui est complètement indispensable pour sa survie, est marqué en même temps par de l'intolérable, c'est-à-dire que s'il prenait l'intolérable tel quel, en fait son intégrité psychique pourrait être atteinte. Donc il y a un mouvement qui se fait, c'est-à-dire mettre à l'intérieur ce qui est nécessaire, mais pas le sentir. Pas le sentir, ça veut dire couper des ressentis et laisser vivre à l'intérieur de soi, parce que c'est vivant et ça continue à agir, mais non contactable par la conscience, parce que c'est marqué par de l'intolérable.
D'abord, ça coûte beaucoup d'énergie. Et quand on a beaucoup d'intériorisation de cette forme-là, en fait, on peut se réveiller le matin fatigué. Et ce n'est pas parce qu'on est feignant, qu'on a besoin de dormir plus, c'est parce qu'on consomme de l'énergie à maintenir ça en dehors du champ. Et ce qui est intéressant aussi de voir, comme c'est vivant, c'est une gestalt qui va aussi influencer la façon qu'on a de regarder le monde. Et donc ça va contaminer la perception de l'ensemble du monde. Et on va retrouver quelque chose qu'on parle beaucoup dans les gestalt inachevées, c'est qu'elles vont avoir une tendance à se compléter, ou à retrouver un cycle de contacter qui va permettre d'aller au bout de cette énergie-là. Et donc c'est ça qui va se passer quand on va accompagner les personnes, c'est-à-dire cette contamination du champ qui va se voir par des mouvements corporels, par des inhibitions corporelles, par des façons dans l'interaction d'interrompre le cycle quand il arrive juste dans cette phase un peu critique où on viendrait contacter l'intolérable. C'est pour cela, tu vois, qu'on n'est pas spécialement intéressé par la cause de la gestalt inachevée qui a produit cette gestalt inachevée, mais on est vraiment intéressé par l'actualisation de la gestalt inachevée dans le moment du contact. Et donc, et donc, à aucun moment, on va considérer que la gestalt inachevée que nous sommes en train de travailler, peut-être dans l'ici et maintenant, appartient au client. Tu vois, c'est vraiment une co-création, là, et on va retrouver le processus de création. C'est pour ça que c'est en lien absolument. C'est-à-dire que le client n'est pas seul dans cette actualisation. J'y suis pour quelque chose en tant que thérapeute. Et donc, nous créons ensemble des émergences de formes qui peuvent être fixes, un peu répétées, connues. Mais nous sommes deux pour ça, hein, et donc nous allons ensemble créer de la nouveauté, un possible à cette gestalt que nous créons ensemble. Un patient pourrait peut-être se tromper sur le sens de ce qu'il éprouve. Comment est-ce qu'on fait alors pour l'accompagner? Comment est-ce qu'on le guide? Bon, ben ça serait difficile à décrire de A jusqu'à Z, mais d'une certaine manière, si on veut faire court, un patient se trompe jamais. Se trompe jamais. Dans cette perspective, tu vois, holistique, justement, on n'est pas en train de se demander ce qui est vrai, ce qui est faux. On va dire, c'est sa manière à lui d'exprimer les choses, c'est sa manière à lui de nommer ce qu'il ressent. Donc on va accueillir ce qui est, et ça avec notre curiosité, hein, s'il nomme les choses comme ça. Alors c'est que ça a de l'importance et on va découvrir ensemble l'importance de ce mot posé sur une sensation, une émotion que nous on appellerait autrement. Hein, mais c'est vraiment à chaque fois la vérité qui nous apparaît, jamais une tromperie. Si je reprends ce mouvement de l'indispensable et de l'intolérable, comme le dit Claudia, il y a bien quelque chose qui se passe dans le champ, c'est-à-dire ensemble, il y a le client et il y a nous. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des zones de résonance. On va être impacté par le client. Et on va se mettre à ressentir des choses. Et on va s'être entraîné justement à accueillir ces ressentis. Et ça va nous permettre d'éclairer en fait le processus qui est en cours. Alors on dit, c'est un processus qu'on connaît en psychanalyse, etc., qu'on appelle l'identification projective et introjective. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le client a besoin de nous pour déposer son intolérable. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se retisser et on va voir apparaître quelque chose qui prend une forme qui ressemble à cette forme de gestalt inachevée qu'on nomme critique, qui va se reproduire dans l'interaction. C'est pour ça que le thérapeute, quand il est attentif à ce qui se passe pour lui, à des moments, il va communiquer d'une façon ajustée certaines parties de ses ressentis. Et le client va pouvoir cheminer dans cette prise de conscience. Ben, quelque chose est en train de se déplier là, ensemble, et c'est ce qui nous permet d'aller plus loin dans le processus. Parce que l'intolérable pourrait être indicible, donc les mots ne parleraient pas, mais le corps parlerait, lui. Le corps parlerait, et le thérapeute le parle aussi. Oui. Par exemple, il y a des choses intolérables comme, par exemple, un mouvement de violence qui est chez le client, il ne peut pas y accéder parce qu'il a vécu ça dans son enfance, etc. Et tout
tout d'un coup, le thérapeute va sentir quelque chose de cette violence et va dire, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette rencontre? Alors on dit, alors on regarde évidemment si ça touche quelque chose de notre histoire, parce que ça on a besoin d'éclairer. Mais ensuite on va dire, mais qu'est-ce qui se dit là, dans ce contacter? Comment on peut éclairer ce mouvement-là? Et à partir de là, l'indicible va être nommé par le thérapeute et peut-être va être réapproprié par le client. Il y a un risque à nommer l'indicible de la part du thérapeute ou pas? Il y a un risque, oui, c'est une prise de risque. Mais on va dire, on va nommer l'indicible pas aussi directement, c'est-à-dire on va le graduer de telle façon que ça puisse être entendable par le client. Parce qu'on ne sait pas, parce que ça c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que le client vit vraiment? Je ne sais pas. Donc je vais lui communiquer quelque chose qui puisse être entendu et je vais voir avec lui ce que ça fait et comment ça se met en travail. Je dirais que c'est une des grandes richesses de cette perspective de champ. D'abord, le thérapeute peut être lui-même créateur de la violence. Et une des grandes richesses, c'est qu'on ne répartit pas les responsabilités. On va regarder ensemble comment tout ça arrive. Et le dévoilement du thérapeute et sa capacité à prendre sa responsabilité dans ce qui se passe va nous permettre d'avancer et de construire ensemble une nouvelle façon d'être ensemble. Vous évoquez en séance ou en pratique de groupe donc les propres sensations, le thérapeute les évoque, sensations physiologiques. Donc c'est une posture particulière à la Gestalt. Comment est-ce que on peut expliquer cette posture-là par rapport à d'autres approches où le thérapeute ne les explique pas? Vous diriez que c'est une richesse de la Gestalt, c'est une spécificité. Comment vous le nommeriez? Je ne suis pas sûre qu'on les explique, mais on essaye de les prendre en compte, de les conscientiser, de les amener à la conscience, les sensations corporelles. Mais c'est parce que nous sommes dans une perspective holistique et que donc l'être au monde, il n'est pas que pensée, il n'est pas qu'émotion, il est aussi sensation de corps. Et donc on va considérer que tout ça participe aux choix qu'il fait, aux orientations qu'il prend, aux manières dont il réceptionne le monde et qui fait qu'après il y réagit. Donc c'est vraiment ce continuum entre la sensation et la pensée qu'on travaille en Gestalt. Mais encore une fois, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas cliver. Souvent on entend ce genre de choses comme quoi en Gestalt on s'occupe particulièrement de la sensation ou de l'émotion. Pas du tout. On va s'occuper de la sensation quand c'est le moment de s'en occuper. Mais je veux dire, c'est vraiment le continuum parce que dans une pensée, il y a un registre sensoriel qui est créateur de cette pensée. Et la sensation va donner lieu à de la pensée ou à de l'image ou à de l'émotion. Donc ce continuum et cette mobilité dans cette différente façon de percevoir le monde et de nous mettre en contact avec, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est plus ça la spécificité de la Gestalt. Parce qu'il y a beaucoup d'autres théories ou approches thérapeutiques qui s'occupent de la sensation, mais peut-être plus clivées, avec les sensations d'un côté, les émotions de l'autre, ou la pensée et la sensation séparées, et traitées dans des espaces différents, alors qu'en Gestalt, c'est l'être au monde. Voilà. Alors justement, tu cites émotions, sensations, parfois perceptions, sentiments. Quelles sont les distinctions que vous faites entre ces différents termes? Alors, je pense que chaque thérapeute gestaltiste a sa définition de ces différents concepts. Mais pour moi, la sensation, c'est vraiment quelque chose d'une émergence physique. C'est une sensation comme une douleur, comme une sensation de contraction, une sensation de chaleur. Donc, on est vraiment dans du corps qui ressent. Dès qu'on va passer à quelque chose qui cherche à s'adresser à l'extérieur, on va plutôt commencer à ressentir ce que nous on appelle un ressenti émotionnel. C'est pas encore une émotion, je peux pas nommer encore vraiment ce qui m'arrive, mais je commence à sentir que c'est plus vaste qu'une douleur dans un muscle, que c'est quelque chose commence à vouloir s'exprimer à l'autre. Et peut-être ça va donner lieu à une émotion de tristesse, de colère. Mais là, on est dans l'émotion, on est déjà exmovéré dans quelque chose qui cherche à communiquer
hein, qui cherche à dire. Hein, souvent, on croit que les enfants, les bébés ont des émotions. Ce n'est pas tout à fait le cas. Ils ont des sensations, puis des ressentis émotionnels. Ça pleure, mais ce n'est pas encore de la tristesse. Vous voyez, la tristesse va arriver quand la conscience qu'un autre est là pour réceptionner mes pleurs ou mon malaise. Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à en nommer quelque chose. Et puis après, sur ce continuum-là, on a tout l'espace de l'imaginaire, l'espace onirique. Hein. Et donc, un bébé, avant même d'avoir des images, il a des sensations hallucinatoires. Ça lui donne déjà des reviviscences de la journée. Et donc, dans l'imaginaire, qu'on travaille énormément en Gestalt, de l'imaginaire va émerger après la pensée abstraite. Voyez, mais c'est vraiment un continuum, et c'est un continuum développemental aussi, parce qu'on ne commence pas par penser, hein, je veux dire, ça vient petit à petit, la pensée abstraite, et ça vient dans le contact, hein, dans la relation, parce qu'avant de pouvoir penser maman, il faut que j'ai pu l'imaginer, il faut que j'ai pu lui adresser mes ressentis, il faut que j'ai pu la sentir, l'éprouver corporellement. Et ensuite, nous, avec nos clients, on travaille hein, sur toutes ces dimensions, en regardant comment ça se répond. Vous abordez également dans le module que l'on évoquait tout à l'heure, cette thématique des dynamiques corporelles avec l'audace du toucher. En quoi est-ce possible de toucher, d'être touché dans une séance thérapeutique? Quand et comment on le fait? Ça, c'est notre dada. Mais on pourrait, il faut revenir un petit peu sur un peu les origines du développement pour pouvoir comprendre pourquoi on va toucher. Parce que c'est à travers le toucher où tous les mouvements, Winnicott en a parlé, le holding et le handling, que la sensation de corps va naître, et va naître dans la relation avec la mère. Et les fonctions psychiques vont s'étayer sur ce contact-là, sur ces interactions, et vont être intériorisées, donner des fonctions psychiques. Donc les fonctions psychiques sont complètement en interaction avec la dimension corporelle. Et lorsqu'on traverse la vie et qu'on rencontre des difficultés, on est amené parfois à mettre certaines zones ou certaines sensibilités de côté. Et c'est comme si on allait dissocier à ce moment-là quelque chose qui se passe, une gestalt inachevée qui vient se bloquer, et il y a une désensibilisation du corps qui va l'accompagner. Et dans la... Un des principes d'action du toucher, c'est une remobilisation sensorielle. Donc c'est une capacité qu'on va avoir avec le toucher, ne serait-ce qu'en posant la main sur une partie du corps, à venir refaire peau. Et donc de réhabiliter quelque chose, de rencontrer quelque chose qui a été interrompu. Et cette remobilisation est vraiment est fondamentale. C'est pour ça qu'on n'est pas trop occupé à consoler un client, à le prendre dans les bras, faire des choses comme ça. On est occupé vraiment à remobiliser la sensation corporelle. Et le contact, c'est quand même une compétence par les sens à percevoir l'environnement et à se sentir impacté par l'environnement. Et ça nous semble un petit peu curieux d'omettre le sens du toucher alors que nous utilisons l'olfaction, le visuel, l'audition. Pourquoi mettre cela hors champ thérapeutique? Je pense que c'est un vieil héritage de la psychanalyse, hein, avec le divan et pas de contact physique. Mais pour nous gestaltistes, hein, cette compétence à venir au contact physique, quand c'est ajusté, quand ça permet une remobilisation, nous semble tout à fait juste, enfin conseillé, pertinente, adéquate. Merci, je cherchais le mot. Pertinente et pas du tout risquée plus qu'une intervention sur la pensée ou sur l'émotion. Bien sûr, ça demande les mêmes attentions, la même progressivité, la même évaluation du processus en cours, mais ça ne comporte pas plus de risques que les autres interventions. Alors, le toucher... Okay, si je viens mettre par exemple ma main sur le bras de quelqu'un, mais ce toucher, il n'est pas fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'on vient
qu'on a des, on sait comment l'enfant se développe, comment il se structure, on a les mouvements de contact de base de Réa Franck. Donc, on a toute cette compréhension des processus de contact. Alors, par exemple, si je touche la personne dans son dos, en haut du dos, ça n'a pas du tout la même fonction que si je touche un peu plus bas, au niveau proche du bassin, où il y a quelque chose. Ça va donner des contacts, des stimulations tout à fait différentes et qui vont mobiliser le corps autrement. Donc on a besoin aussi d'avoir cette connaissance et cette compréhension, d'avoir vécu ces soutiens ou ces appuis qu'on va pouvoir proposer corporellement pour accompagner le client. Et dans ce contact-là, là encore, on retrouve une remobilisation qui ne va pas passer forcément par la pensée, mais par ce qui s'est engrammé depuis notre tendre enfance dans ces contacts premiers et dans notre développement. Et c'est vrai qu'une bonne connaissance du développement est nécessaire. Néanmoins, en Gestalt, nous n'avons pas de grille de lecture du corps, hein, contrairement à d'autres approches. Parce que ça serait arrivé avec un diagnostic qui viendrait de l'extérieur et auquel le client pourrait se conformer ou devrait se conformer. Donc à chaque fois, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ce mouvement-là et cette rencontre des corps à corps, parfois, hein, mobilise ce client-là de manière singulière et me mobilise en tant que thérapeute de manière singulière. Et on peut vraiment dire qu'à chaque fois, c'est unique. Claudia, André, le prochain stage, quand est-ce que vous vous retrouvez à l'EPG? C'est à quel mois? C'est dans assez longtemps, mais c'est pour le toucher. Donc la transition est faite. Ce mouvement particulier, qui est oser toucher. Ouais. Parce que c'est vraiment inviter les thérapeutes à oser faire cette démarche de rencontrer le vivant des personnes. Et c'est je crois que c'est vraiment une richesse de pouvoir utiliser cet impact-là dans la mobilisation. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les neurosciences et dans les recherches affectives, on voit bien que les capteurs sensoriels, ne serait-ce que effleurer la peau, a une fonction, en fait, relationnelle extrêmement importante. Cela crée la sécurité, et c'est la sécurité de base qu'on a vécue à l'époque de Cro-Magnon, quand on était dans les cavernes et qu'on se blottissait les uns contre les autres. Cette sécurité, elle vient avec ces capteurs-là. Une sécurité qu'on a beaucoup perdue actuellement dans l'état de crise sanitaire. À un moment donné, on parle de distanciation sociale, mais il s'agit surtout de distanciation physique. Et bien, dans les cabinets de thérapeutes, on voit bien les dégâts que ça a provoqués, hein, cette même absence de corps social. Hein. Et donc, si nous l'avons appelé l'audace du toucher, c'est parce qu'on est vraiment à contre-courant d'un mouvement actuellement qui diabolise un petit peu le contact physique en thérapie, qui met beaucoup de suspicion. Et nous, on trouve que c'est vraiment à réhabiliter, et donc on milite pour ça, carrément. Claudia, André, merci beaucoup pour cette interview. Et passez un très agréable moment avec vous. Merci.